Et coucou tout le monde et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry où on peut rejoindre nos trois pétasses toutes grises parce que voilà, enfin c'est il y a une pétasse, c'est Nathalie. Hein, voilà. Il est même pas 5h du matin, elle dit oh, j'ai faim. Ah, puis elle est toujours tristoune parce que bah plus le cote quoi. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a encore de la musique. Ouais, bon, Oh mince, on a toujours les nains. Oh, on va les vendre. Hein, les comment ils s'appellent là, eux, les exhibitionnistes la dernière fois. Allez, le jeu! Il a pas envie, il va planter. Pourquoi tant de haine? Pff, oh la vache. Clac! Oh, en plus, il rapporte de la thune. C'est bien, mes petits. Bon, un jour, il faudrait vraiment que je me penche sur cette cuisine avec la table de massage au milieu. C'est tellement n'importe quoi. Mais j'ai tellement la flemme de la refaire, cette cuisine. Elle me sort par les yeux. Je la trouve absolument tellement moche que j'ai même pas envie d'y toucher, en fait. Donc j'ai envie qu'elle reste comme ça. Voilà, on va mettre le mur, c'est beaucoup plus joli. Et on voit pas la table de repassage, j'allais dire. De massage en plein milieu. Alors, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer. C'est vrai qu'elle a eu son petit lit et tout, sa petite chambre toute belle, toute propre. Sur Nunu, Nuage, qui va aller travailler à 9h. Ah oui, quand même, c'est long, hein? Elle est au niveau 2. Super. Ah, je crois que c'est sa première journée de boulot, en plus, si je dis pas de bêtises. Et puis, bah, peut-être après le travail, si elle n'est pas trop fatiguée, on ira s'entraîner dans les salles de sport parce qu'il faut aussi penser à réussir son aspiration. Parce que pour l'instant, on n'y est pas, quoi. Non, on a une femme de ménage qui va arriver. Il est lundi, laisse-lui du taf. Elle va prendre une douche. La journée des réductions. Quel bonheur. YouTube, coucou YouTube. Courage pour la cuisine. Ouais, un jour peut-être. Déjà, il faut. Je me loque pas dans cette partie en fait, en dehors des lives, donc c'est pour ça. Merci Noémie pour le follow et bienvenue à toi. C'est quoi la génération après? C'est la prune et elle risque d'être assez lourdeau, ce à faire. Et notre petite mini. Allez, tchou, les épaules. Elle est baraque, hein. Mini, eh bien, elle va devenir une jeune adulte sous peu et elle va pouvoir aussi déménager. Alors que pendant ce temps, Nuage attend sa jambe dans le parc pour se demander qu'est-ce qui se passe? Mais où es-tu, mon petit machin? Oh, excusez-moi, je suis partie en délire. Va aux toilettes. Pourquoi il y a des flaques partout? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui s'est pissé dessus, là, comme ça? Allez, ça, plus chanter sous la douche, s'il te plaise. Tu seras mignon. Non! Et toi? Eh, j'ai dit qu'il y avait une femme de ménage. Tu me cassais? Oui, bah. Oh là là, j'ai pas le droit de faire la vaisselle, d'accord? J'ai compris. Hein, moi, je suis trop triste, d'accord? J'ai 17 ans, moi! Je suis une femme! On va pisser. Alors, c'est possible que mon jeu lague un peu. Il laguait un petit peu tout à l'heure quand j'ai enregistré. Enfin, il laguait en mode construit. J'ai vu ma soeur toute nue! Vas-y, tu casses les couilles. Pardon. I am vulgaire. Pourquoi tu penses à des couches, toi? T'as rien à faire, toi, cocotte? Bah, viens t'entraîner. De toute façon, je pense qu'il va falloir atteindre le niveau 10, ne serait-ce que pour. Ah, et puis le charisme aussi. À mon avis, il va falloir avoir le charisme au top pour la. Pour cette aspiration. Tu peux passer le coucou, à mon avis, Lovic. Ben voilà, c'est fait. C'était de la part de Noémie. Lourdeau génération prune. C'est tout moi, n'importe quoi. On aime YouTube qui rame. Bah t'as regardé trop de pubs. Mais c'est bien, c'est gentil. Mon mari vient de dire le plus naturellement du monde, je fais des pizzas maison, genre comme si. Oh là là, arrête avec tes pizzas! Et vous, et toi, si Anana, un de ces quatre, tu vas me financer. Hein? Tu seras obligé de m'acheter une commande de pizza. Je te le dis. Tous les ch À chaque fois qu'elle vient dans le live, elle dit: Oh, on va manger pizza! Oh, j'ai commandé pizza! Ah, suffit, hein?
J'ai déjà mangé, moi. Attends, pizza. Non? Bah non, même pas, parce que j'avais pris burger, nuggets et panini. Donc j'ai pas pris de pizza. Je n'ai même pas acheté une, j'y ai pensé. Et j'ai pas acheté de pizza au Franprix. Dès que j'ai les moyens. Non, mais t'inquiète. Bon, tu crèves quand, Nathalie? Oh, c'est pas sympa. Non, mais à un moment donné aussi, il va falloir qu'on voit notre ami Adonis, qui est ici. Et qu'on le recrute. Je vais éternuer. Et qu'on le fasse emménager. Voilà, comme ça, ce sera fait. Pour qu'on puisse surveiller ses fréquentations et qu'il aille pas à compter fleurette à une autre meuf, quand même. Bah écoute, ça va être l'heure pour toi de venir d'aller bosser, hein? Non, ici. Ah, c'est l'hiver! Bah oui, et tant que je remarque, c'est tout blanc, donc c'est l'hiver. Bah oui, effectivement. Mais calmez-moi, moine! Je vais te faire des amis. Du voisin qui papote. Allez, go! Tu vas au boulot. Bon, on se retrouve coincé avec notre super Nathalie. Qui va chialer. Ah, mais toi, tu travailles déjà dur. C'est parfait. On va surveiller sa courbe de travail. Tu vas discuter. Voilà, ça monte un petit peu. Tu travailles dur. Oh, elle a rencontré Alexandre. J'espère qu'ils ne sont pas tous comme... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Augmente ta respons... non, l'empathie. Je suis triste. Putain, elle est où notre... Ah bah elle est là. La femme de ménage. Vas-y, va glander. Hein, va jouer à... au refuge, là, c'est bien. En ce temps-là, moi, je gère... La nuage. Oh oui, j'avais oublié que c'était son mec. Elle est avec Grey Burberry pour l'instant. Mais il va falloir qu'elle casse avec lui. Déjà parce que... Ah merde! Oui, non, c'est vrai qu'il est jeune adulte. Ouais, mais elle venait de perdre son père et elle était tout triste et lui, il en avait rien à foutre. Donc, bah du coup, on a dit qu'on allait le larguer rien que pour ça. Parce qu'il faut bien trouver des excuses pour larguer un Sims. Mini, la Netsini barre, oh la vache! Comment vous êtes? Ah, oh, vous, je vous jure, et sur Twitch, ils sont fous, hein. Tu vas regarder la télé. Tu es endetté d'une pizza. Salut Elise, comment tu vas? Bienvenue. Et clap, 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 et clap, clap, clap. Vas-y, travaille dur. Bon, de toute façon, là, ça va pas être très intéressant. En attendant qu'elle rentre. Elle a rencontré Briseis, mais nous, on la connaissait déjà. Courrier distribué 6544, deux factures. Tu vas venir les payer dès que tu pourras. Oh, elle est partie chialer dans son lit. Tout le monde a oublié, hein? Ah non. Mini, non. Alors que Nuage, si, elle a complètement oublié son daron, elle. Elle a rien à foutre. Nana, t'es trop mignon. Merci beaucoup. Bisous et les smiley boules pour toi parce que tu le mérites. Merci beaucoup. Bah écoute, je penserai à toi quand j'irai m'acheter une pizza au supermarché. Peut-être demain. Demain, si je vais au Picard, peut-être que je trouverai une petite pizza. Merci beaucoup. Je m'y attendais pas. Bon, on laisse Nathalie chialer dans son coin. Hein. Qui êtes-vous? Elle s'appelle Tyrion de nom de famille, c'est rigolo. Ça, c'est celle de Marie, ça, non? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il s'appelle comme ça. Je sais plus. Non, non, c'était Perle qui les connaissait. Tu connais pas? Tu connais? Non, bah, elle ne connaît pas son futur mari non plus. Bon, tu reviens, Nuage. Je m'ennuie de toi déjà. On va mettre travailler dur, on va mettre quand même. Pour une fois, depuis le début de la
du challenge, on est quand même sur une. Sauf. Ah non, c'est vrai que Pulco, lui aussi, était sur une carrière qui était pas du tout. Projet scolaire, cassé couille. Qui était inactive en fait, on pouvait rien faire parce que les autres. Mais bon, comme avec Pulco, on a été à l'université, bah ça a aidé à ce que je sois active avec lui. Non mais t'as un miroir là, hein, meuf. Tu peux chialer devant, hein. Non, on va pas l'envoyer à l'université. On a pas, on s'en fout. Alors j'ai mis bébé move object, hein, ça se voit. Et hop, tu vas pouvoir commencer à travailler soigneusement et t'inviteras ta mère à t'aider. J'ai mon téléphone qui vibre, qui vibrette. Bon, celle qui m'intéresse n'est pas là. Ouais, tu vas travailler dur. Ah là, encore Alexandre? C'est le même? Ah non, c'est pas le même. Qu'est-ce qu'elle est entourée d'Alexandre, la pauvre? Imaginez? Budget pizza surgelée. Ouais, mais t'inquiète. C'est un peu comme ça que je les achète, soit surgelées, soit fraîches. Mais de supermarché, c'est pas un souci. Je vais les vendre les projets scolaires, moi c'est trop bien faire. Ouais, mais ça augmente la note. Enfin bon, on s'en fout un petit peu, il n'y a pas de challenge là-dessus, mais bon. Allez, elle va revenir. Pif pa. Oh tiens, il est là! 152! Alors, méchant. Rompre, direct. Clac. Il va rien comprendre! Attends, qu'on assiste en version cinéma. Attends, de quel côté je vais me mettre? Oh, regardez comme elle est mimine. Ça va, notre héritière, c'est pas un bulldog, hein. Un cajot, quoi. Elle s'appelle pas Shirley, quoi. Allez! C'est la rompitude! Je suis désolée, mais tu vois, t'es moche, t'es con. Et alors, ciao. Ma bûche. Oh, ma petite mignonne. Allez, viens. On bouge. On va aller à la salle de sport. Oh, putain. Ah, prune, merci beaucoup. Et non, faites pas le train de live alors que je suis en train d'enregistrer pour YouTube. Hein. Sérieusement. Mais merci beaucoup, prune. Il vient dire bonjour, il se fait larguer. Ah bah écoute, c'est comme ça la vie. Hein. Moi, je fais plus de sensations. Hein. Alors, salle de sport, clac. Allez. Pardon, excusez-moi, je me suis trompette. Je me suis trompette, salle de sport. On y va. Oh, bah on va y aller avec Adonis. On va lui proposer de venir vivre à la maison s'il a envie. Le train de la pizza. Non, non, Buenos Dias, je suis toujours là. Oh là là. Merci, Nani! Et ça suffit, les filles, hein. Arrêtez, hein. Pas de train de la hype, j'en veux pas. Je coupe le live. Si vous lancez le train live, je coupe le live tout de suite. Alors, ma chaîne YouTube, eh bien, elle est normalement Nightbot. Nightbot le dit. Regarde au-dessus. T'as un lien. Ouais, j'ai 996 vidéos. Oh, je vais arriver à 1000 vidéos, les gens, putain, déjà. Pas de ban. Alors, nous sommes arrivés à la salle de sport. Regardez-moi ce beau mec. Regardez-moi. Il a des beaux yeux. J'espère que ça cassera la. Ça cassera cette malédiction des yeux marrons. Je ne relève plus. Oh! Mais gardez vos sous, mais vous êtes folle! Pour la mine, il faudra faire un truc. Bah oui et non, je sais pas du tout parce que. 996. Attendez, je vais avoir le nœud de Sobéry qu'on est en train de faire. La vidéo de construction. Le Decades. Ce sera la vidéo Sims 2 si j'arrive à la faire. Ou ce sera le Lord and Lady. Et je vais vous ban. Hein. Je vais vous ban. Il est à combien de jours, lui? Il grandit quand? Ah, et encore qu'à la moitié. Hein. Oh là là. Bah, discute avec lui. Je suis désolée, YouTube, vous allez rien comprendre, mais c'est de l'argent le train. Alors, oui et non, en fait. Enfin, oui. Là, les filles, ce qu'elles sont en train de faire, elles donnent des sous. Elles sont en train de me donner des sous avec de la monnaie qui est spécifique sur Twitch, en fait. Si tu veux. Et le train de la hype.
En gros, c'est pour, comment dire, c'est pour donner envie aux gens de donner encore plus parce que ça fait monter des niveaux, machin, et les gens qui participent reçoivent des émoticônes exclusifs. Ouais. En gros, c'est juste vraiment des sous, des sous, des sous, des sous. Mais moi, je veux pas. Oh, mais sérieuse, mais vous êtes folle. Mais Linette, elle s'y est mise aussi. Oh, punaise. Bon, moi... Mais arrêtez! Oh putain, ça... bah, par contre, ça va pas marcher avec le lien des dons. Mais merci beaucoup, Sianana. Ça, en fait, ça va marcher que via Twitch, en gros. Mais merci beaucoup quand même, hein, t'inquiète pas. Ah, merde, il est lancé! J'avais pas vu! Mais non! Bah viens t'entraîner! Ah, Perle, elle est là, regardez! Hé, hey, Perle, elle a eu son bébé! Hein? On va s'intéresser à Perle et son bébé! Hein? Entraînement ensemble! Allez, vous entraînez ensemble, là. Ça, lui, il sera beau gosse. Mais sérieusement, vous êtes folle! Et voilà, niveau 4! Mais elles sont folles. Je suis désolée, vous allez rien comprendre sur YouTube, mais... Le jour où vous, peut-être si vous venez sur Twitch ou sur chez les gros streamers, il y en a beaucoup et vous comprendrez très très rapidement comment ça fonctionne. Mais genre moi, c'est que mon deuxième, hein, donc... Oh punaise. Oui, c'est vrai. Oui, Twitch garde une com, c'est sûr. Ouais. Mais vous êtes trop mignonne! Depuis 2000, j'avais même pas vu moi qu'il avait commencé. Vous êtes trop choute. Bon alors, on en est où? Pousser ses limites. Ah oui, d'accord, pousser des équipements pour s'entraîner. Mais ça, on les a. Oh, mais arrêtez, gardez vos sous, sérieusement. Mais je sais pas comment vous voulez que je vous le dise. Level 5, oh là là. Il n'y a que 5 niveaux, c'est déjà énorme, hein. Oh, ça l'empêche de jouer. Non, mais oui, mais... Bon, écoutez, après, elle fait ça, hein, mais... Vas-y, t'as validé. Va parler avec ton futur mec, là. Hein, c'est pas grave. Mais arrêtez, c'est bon! C'est bon, on a fini! Il est fini, le train! Oh, il reste 3 minutes 20. Mais arrêtez! Merci, Marie la blonde, pour ton follow. Merci beaucoup. Hé, salut, Quentin! Tu sais ce que ta connexion va mieux? Elle doit aller aux toilettes. J'arrive même plus à voir ce que je dois faire et tout là. Oh! Bon, au niveau du look, c'est lui, hein? Bah, pourquoi j'ai... Oui, bah, il faut que je leur look, mais... hein? Oh, punaise. Mais arrêtez! Oh non! Toujours pas, Quentin? Oh, mince. Bon, ouais, il va devoir repasser entre les mains magiques de Shirley, hein, parce que là, c'est plus possible. Hein. Ça ne va plus! Son look est à chier! Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Pourquoi tu vas pisser? Mais arrêtez! Ça suffit! Je garderai mon train. Oh non, mais elles sont folles. Mais là, je sais pas combien elles ont dépensé de sous, mais c'est pas possible. Je vais dénoncer les gens, hein. C'est Tatou. C'est Linette. C'est Prune. Et Sianana, elle s'y est mis aussi, Banner. Oh là là, d'accord, ouais. Et Nani. Oh bah ça y est, il y a tout le monde qui s'y met, quoi. Ça y est, c'est bon. Le truc, il est fini, mais continue à donner des cheers, des machins, des trucs. Ça n'arrête plus. J'ai glissé. C'est plus possible. Oh. Tout leur salaire. Ah ouais, non, mais c'est ça. J'en peux plus. Parce que là, YouTube qui va regarder la rediff, ils vont rien comprendre. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça gling-gling dans tous les sens? Ah non, parce que moi j'ai le que les gling-gling. Vous avez les animations à chaque fois. Je garderai mon train. Ah non, c'est bien Davidson, donc c'était elle, la fille. Mais va parler avec Adonis, toi! Qu'est-ce que tu me casses les pieds? Ah, il est là, le mec! Le futur copain de Cocotte, là, de Minnie. Je suis trop gentille, hein, de dire oui à... Oh, Nathalie, elle va claquer! Ça vous apprendra. Oh, putain, mais arrêtez. Oh, 344%. Il redébutera la prochaine fois avec les points qu'il a en plus aujourd'hui au-dessus du vaisseau. Ah oui, c'est vrai?
Ça coûte combien? Mais c'est quoi qui coûte combien? Fritzen, si tu veux savoir les prix des beats et tout ça, il faut que tu regardes à côté du dans ton truc chat. Tu as un petit bonhomme smiley ou un espèce de losange. Il faut que tu cliques sur le truc losange pour voir les prix. Pour acheter les trucs en fait. Ah, super, Quentin! Oh, 384. On va tous avoir le chouchou, mais oui. Ah, t'as vu ton Sims? Super, le Pearl, c'est lequel? Parce que là, bon, c'est un peu le bordel, hein. Bon, elle a fait connaissance avec lui parce que on va l'inviter à la maison après. J'ai cru que c'était son ex. Non, en fait, non, ça va. Il est où? Ah, il est là. Regardez-moi. Il a vraiment besoin d'être looké, là. Qu'est-ce qui se passe? On a oublié la tenue de sport ou un truc? Parce que c'est pas possible, hein. Qu'est-ce que tu dragues? Si... Ah non, il regardait la télé. Oh, j'ai pas compris. Ça y est, c'est fini? Alors, j'ai... C'est quoi ça? Ah, c'est du... Ah, ça, c'est bien. J'ai reçu un émoticône aussi. Et c'est une espèce de baril en feu, en fait. Et ça, c'est bien, parce qu'on avait eu un émote qui était dégueulasse. On n'avait pas compris à quoi il servait. Oh là là! Ça y est. Aujourd'hui, il est redémarre à partir du level 3 à moitié. D'accord. Ah, la vache. Mais merci beaucoup, écoute. J'ai plus mes deux gratuits. Bon, tu les as eu hier. Oui. Mon Dieu, mais vous êtes folle. Et fou. Vous êtes des dingues, hein. Mais moi, ça me gêne vachement, hein, ce que vous faites. Honnêtement, hein, je suis pas sereine, quoi. Les filles, les garçons. Oui. Mais merci, merci, merci beaucoup. C'est adorable. Mes gros bisous. À vous, et je vous fais smiley boule parce que vous êtes trop gentils, quoi. Il est là. C'est le tien, celui-là? Silverberry, c'est vrai que j'en ai installé pas mal. Pouh, oh là là! Belle bête! Mais bon, on sait. Qu'est-ce que ça va faire à bouffer? Il est où Adonis, bon sang? Allez, non, ça c'est Myriadoc. Et donc, il va falloir qu'on aille voir Perle, qu'est-ce qu'elle a sorti, qu'est-ce qu'elle a eu comme machin. Ça suffit. J'ai un train violet, mais c'est pas vrai. Précédent conducteur de la hype. Aïe! Nani, elle a quand même le doré. Merci pour mon Sims. Bah non, mais c'est normal. Grave, il est bien foutu. Bah après, vous pouvez les retrouver, hein, les Sims. Vous pouvez les retrouver sous le hashtag Not So Shirley. Vous pourrez retrouver beaucoup de Sims. Bon, des fois... Oh, David Shirley. J'avoue, pas mal. Bon, il a les cheveux un peu courts, mais il est plutôt mignon. Parce que des fois, c'est les descendants, machin, tout ça. Mais la plupart sont directement retrouvables sur la galerie avec le hashtag NotSoShirley, puisque c'est comme ça que je les ai installés. Et c'est... Bah, il est parti, Adonis, là. Hein. Il s'est barré, je crois. Il s'est barré. Donc, on va rentrer, parce qu'il se fait tard. Que je les ai installés pour ma partie. Merci beaucoup. Oui, Noémie, c'est le Not So Berry que je suis en train de faire. Attendez, on va récupérer Adonis. On va l'inviter à la maison. Bah, il va venir habiter avec nous, donc tant qu'à faire, on le presse dès maintenant. C'est qui le conducteur? Bah, c'est Nani, je pense, hein. Je vous embarque, on va chez Shirley manger des pizzas de Tianana. Avec une seule pizza, ça va être chaud, hein. Moi, vous savez, je suis une grosse bouffeuse, hein. Moi, je mange tout, hein. J'en ai donné que 300. Mais Tianana, c'est déjà beaucoup trop! T'avais fait des dons avant, t'es pas obligé. C'est Nana, le conducteur actuel, et quand tu en vas. Mais le violet, bon, j'avoue, il est beau le violet. Beaucoup plus beau que le or, hein, je dirais, je dis ça. C'est moi le chauffeur. Oh, vous êtes trop gentil. Beaucoup trop. Beaucoup trop gentil. Alors, bon, il fait la gueule, Adonis. Plus j'aime bien le prénom, il est beau gosse. Il est bien foutu. Tiens, tu vas donner les clés, comme ça il viendra quand il veut. Tu vas chanter une chanson du jour férié. Voilà, il est content. Faire connaissance. Parce que bon, dès qu'il a des poils, nous on saute dessus, hein. Non, non, mais. Pour l'instant, elle a pas trop vieilli. On va attendre. C'est pas grave s'il est plus jeune, parce qu'avec la grossesse et les grossesses. Elle sera forcément au même niveau que lui après. Donc c'est pas très très grave.
Ouais, tu vas lui donner les clés au bout d'un moment ou quoi? Non, il est beau gosse, hein, regardez-moi ça. Puis ça change d'avoir un petit typé. Je voulais le train. Alors, bah, tu peux pas, si Anana, pour avoir le train, il faut justement déclencher. Il faut que. Tu vois, comme les filles, elles ont fait, elles ont donné beaucoup de bits et tout machin. Tellement qu'à un moment donné, c'est déclenché tout seul. Et donc, du coup, il faut que tu sois une des premières à en donner beaucoup. Mais sauf que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, tu vois. Donc, ouais. Bon, par contre, elle est claquée. Oh, il est minuit. Tu vas rentrer, tu vas manger un truc. Et puis, ouais, non, on lui a donné les clés. C'est bien. Mini? Ouais, elle est en train de faire du sport. Ah, Mini, elle va grandir aussi. Est-ce qu'on a le temps de faire un gâtal? On va faire un gâtal à l'arrache, hein. Non. On va pas faire un gâtal à l'arrache. On va fêter l'anniversaire. Bah, j'ai peur qu'elle aura déjà vieilli, donc je sais pas trop. Parce que Nuage, elle ira quand même au boulot parce que j'ai pas envie qu'elle rate un jour. Pour pouvoir avancer. Du coup, on va faire prendre un jour de congé à Mini pour l'école. Comme ça, on aura le temps de faire son. Voilà. Et on invitera Perle. Juste pour inviter Perle. Alors, c'est plus joli. Bon appétit. Peux-tu m'expliquer le principe? J'en cherche d'autres, je sais pas du tout. Le principe de notre Sobéry, c'est un legacy, donc sur 10 ans, sur 10 ans, j'allais dire, sur 10 générations. Tu joues, tu pars d'un Sims, tu peux être une fille ou un garçon, qui est de la couleur menthe. Ça va être en fait, si tu veux, chaque génération aura une couleur précise et des objectifs précis. Ici, comme tu vois, notre héritière, c'est elle, c'est Nuage. Et comme tu peux le constater, elle est toute grise parce qu'en fait, c'est justement la génération grise. Et elle a des objectifs. Donc, par exemple, il faut compléter l'aspiration culturiste. Il faut aller au niveau 10 de la carrière d'athlète. Donc, il faut faire tout. Et en même temps, il faut aussi, pardon, faire d'autres choses. Par exemple, avoir le niveau 10 en fitness, le niveau 10 en éducation. En fait, chaque fois. Il y a des objectifs bien précis. Oh, elle s'est cassée. Elle est tombée par terre. Il y a des objectifs précis pour chaque génération. Et puis voilà. Il faut les respecter, y arriver. Et pour l'instant, bah, on est à la génération grise qui est là. Alors, on a eu la menthe, on a eu la rouge, on a eu la jaune. Et là, on est à la grise. Donc, tu vois, on est à la quatrième. Pour résumer, très résumé. Et si tu veux les règles, tu tapes Not Soberry Challenge règles dans Google et tu l'auras très très facilement. Il est très connu quand même. On a mis du charbon dans la locomotive. J'ai vu que Pixie a fait une vidéo sur les Sims 1. Oui, apparemment, oui. Wiki. Quentin, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, mais. Mais va dormir, toi, t'attends quoi? C'est dommage parce que je voulais en faire une, mais. Bah... Tant pis, hein. Je la ferai pas. Ah oui, d'accord, pendant qu'on n'était pas là. Ah, ça y est. Oh, bah, ça y est, elle a oublié son mari. Oh, regardez mon petit pulco. Ma petite pulcote chérie. Qu'est-ce qu'il était beau. Là, il était tout jeune. Il venait d'être diplômé. Et là, il était un peu plus vieux. Et là, il était très, très vieux. Ouais. Et son papa. Bordeaux était là. Qu'est-ce qu'il était beau, Bordeaux. Et Pepper. Donc, génération plante, mais génération rouge. Génération jaune et génération grise. Pour l'instant, la prune n'est pas encore en route. Donc la vieille là, Nat, tu vas faire un gâteau pour ta fille, hein? Gâteau d'anniversaire? Tant qu'à faire. Un gâteau blanc, parce que ça n'existe pas en gris. Arrête avec ton. Ah bah, d'accord. Adonis, il a eu les clés, il s'est dit. Ok, tu me donnes les clés? Ok. Tu vas pas le regretter. Je vais venir tout le temps. Je vais venir bouffer dans votre frigo. Tout le temps. Je suis partie quand tu as commencé à enregistrer pour YouTube. Qu'ai-je manqué? Rien, à part le train de la hype sur Twitch. On a été à la salle de sport avec Nuage et avec Adonis qui est en train de traîner dans la maison. On lui a filé les clés, je crois. En vrai, j'ai pas fait attention si on avait vraiment filé les clés.
Donc il va venir quand il voudra à la maison et puis après il viendra faire partie. Bah c'est pas grave. De la maisonnée. Pour qu'on puisse faire des bébés avec lui. Une photo de son urne et là il était très mort. C'est surtout quand j'ai voulu faire prendre une photo Bordeaux non Pulco avec Bordeaux que Bordeaux il est claqué à ce moment-là. Oh, quelle frustration. Tac, moi je pense qu'il est parti. Adonis. Bah blanc et gris, ça fait noir ou ça s'annule? Non, blanc et gris. Blanc et gris, ça devient gris très clair ou blanc un peu gris. Ça fait gris, c'est ça. Pepper et Crobel, ouais, bah elle est très morte aussi maintenant aussi. Allez, nettoie là. Et bah, il faut l'occuper, hein. Tira de prendre une douche. Tira de coucher aussi parce que tu me saoules. Bon, elle va claquer, hein. Que... Oh, mais elle sera toute seule, nuage. Parce que là, Minnie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir jeune adulte. Elle va faire un gosse avec Myriadoc, là, qu'on va inviter, qu'on va rajeunir, parce qu'il aura pris, encore une fois, de l'âge. Puis après, c'est ciao. Salut Marie, comment tu vas? Oh, Marie, t'as raté le train de l'hype. C'est pas grave. Je préfère que tu le rates. Ou que tu y participes. Allez hop! Holy la vieille! Ça va. Oh si! Oh, 148! On tient la doyenne hein, quand même. Hein. La doyenne des Sins, c'est. J'ai entendu parler de récente amitié avec Gray. Ouais, enfin, ma récente rupture, tu veux dire. Récente rupture de. Tu vas aller te prendre une douche, cocotte? Non, chanter sous la douche. Non! Oh, je vais y arriver. Chanter sous la douche. Pareil, il faut avoir le maximum en chant pour cette génération. Et on est mal barré. On est à 5. Fitness, on est à 7. Et en charisme. On est... Oh, on est en 5 en charisme. Bon, ça va, on a de l'avance un petit peu quand même. Chouchou. Tu as les urnes dans la maison. Non, 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 les urnes, je les dispose plus sur le. Sur le terrain parce que j'en ai marre d'avoir les fantômes qui viennent tout me péter les nuits. Oh la grosse dégueu! Bon, moi elle est en train de faire caca. Donc ça va, ça passe. Par contre, je vous préviens, vous avez une grande délinquante parmi vous, j'ai reçu une contravention. C'est pas vrai! Contravention de quoi? Quand. De ton truc, peut-être que t'étais sortie sans attestation, c'est ça? Oh, Marie, c'est une rebelle, elle sort sans attestation. Moi, j'ai failli, hein! Je suis sortie de chez moi, j'ai fermé ma porte, j'ai fait oh, mon attestation! En même temps, c'est la fête, hein. Chez moi, tu croirais même pas qu'il y a le confinement. Hein. Mince, c'est vrai! C'est vrai, l'anniversaire. Tu peux, maman? Oh, la vieille, elle me saoule. Vas-y, on va. Tu vas appeler Perle. Tu vas appeler Perle et la faucheuse. On peut pas l'inviter, la faucheuse. Pulco, tu peux l'inviter? Non, putain, mais elle connaît personne, elle! Tu vas inviter Duncan, c'est quand même votre beau-frère. Et puis, vu que Perle arrive, voilà. Ok. Bah, c'est tout. Voilà. Duncan Caillou. Duncan Caillou. Ça me tue à chaque fois. Les noms, vous avez trouvé quand même, ils sont assez fandards. Hein. Tu peux te laver, s'il te plaît. Toi aussi, tu vas t'habiller parce que tu vas pas recevoir ta fille comme ça. En pyjama dégueulasse. Ouais, salut, hein, ne frappe pas à la porte surtout, hein, t'as raison. Présentation amicale, tu connais même pas ton beau-fils? Salut Perlouse! Comment tu vas? Ils sont pas encore mariés. Mais dis bonjour! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai que je devais relooker le nuage, j'ai oublié. Sans enseigner sur la carrière. Oh mon Dieu! Notre femme de ménage a changé! C'est plus une chauve. Man, ils font la bise. C'est mignon. Ils minent la journée. Salut Perlouse! Alors, comment ça va? T'as eu quoi comme enfant? Elle est mignonne. Duncan était père au foyer. Ben oui!
Ben oui, allez, on va aller voir. On va aller voir avec Nathalie. Nathalie. Hop! Perlouse, elle a eu une fille, Marina Rainbow. Voilà. Bon, alors, par contre, parce qu'avec l'arbre de gène de Nathalie, il n'y a pas grand-chose, alors que, bon, pour les autres, on est pas mal, hein. Notre petite Pepper, voilà où on en est. Ah! Jonathan, il est mort, Tadelle. Patrick et Nathalie, merci. Encore une Nathalie. Et Julien et... bon, ça, on les connaît pas, en vrai, hein. Donc, ouais. Et Duncan, Caillou. Voilà. Voilà, elle a une fille avec Duncan. J'espère qu'elle sera aussi belle que deux. Bah, t'es où, Perle? Tu te pointes? Mais viens, idiote! Bah, je sais pas. Après, tu vas venir soufflette. T'es bougette! Jonathan Mortadelle, viande froide, quoi, j'avoue. Perle. Ah, Perlouse, elle est mignonne, hein, mais elle est quand même moins belle que Minnie et Nuage, donc nos regrets. Alors, un nouveau défi. Nuage a besoin d'un nouveau défi au travail. Comment le demande-t-elle à son patron? Est-ce qu'elle lui fait des suggestions ou elle demande clairement un défi? Et ça, c'est vous qui choisissez dans le chat. Yes, bah après, elle va s'en aller, Marie. Et Nathalie va claquer, donc Nuage va se retrouver toute seule en très peu de temps. Désolée, j'étais partie manger vraiment ma douche. Comment ça va? Pas de soucis, Elisa. Ça va. Défi? Ah oui, mais défi. Demandez clairement un défi. Clairement. Bon, bah allez. C'est un petit gain de performance et merci Minote Chloé pour l'abonnement YouTube. Cela fait bien plaisir. Oh, ça arrête plus de se faire des câlins. Oh, c'est bon, on a compris, là, pas la peine. Attendez, elles se sont enlacées deux fois et elles se sont serrées les mains. C'est normal. Je suis ma chuche. Lui, il est excité quand même pas deux. Je pense qu'ils vont nous en refaire un deuxième d'enfant, là. La petite Marina Rainbow. Bon, allez, Minnie, tu te pointes? Qu'est-ce qu'elle a? On va discuter avec tes collègues un petit peu. Oh, excellent. Attends, tu vas te détendre alors. On va te détendre du slip là, ça va te faire du bien. Bon, tu viens, arrête de parler avec ta soeur là, tu me casses les pieds. Par contre, comme on s'en fiche que c'est pas une héritière, on va pouvoir mettre un trait qu'on veut, hein. Comme ça, si vous voulez qu'on mette un trait spécial. Nathalie va mourir avant 15 h. Non, personne n'est enceinte. Alors, est-ce que vous voulez quoi comme dernier trait pour la petite Minnie, puisque ça sert à rien qu'on lui mette le trait crasseuse. Ah bah tiens, oui, c'est celui qui manque. Parce que bah, voilà quoi. Un Windows de 20 ans, c'est moche. Windows 2000 sorti même moi que les Sims 1. Ah bah ouais, j'imagine, ouais. Non, Note n'est pas morte. Non, pas encore. Morose. Oh non. Quand même. Non mais après, bon après, on va pas, je vais pas la gérer, je m'en fiche, mais bon, on va pas lui l'accabler, la pauvre. Ouais, crasseuse, c'était plus noir que rose. Hein. Résistance à s'engager. Oh non, sûrement pas. Mais soyez cool, hein. De toute façon, elle s'en va après. Aime les chats, c'est bien. Aime les chats. Alors, aime les chats, c'est où? Vous sentez la meuf qui met souvent ce trait-là? Ah oui. Youhou! Regardez, c'est une femme maintenant. Ouais, ta trompette, elle est enrouée, Nathalie. Alors, Nathalie, est-ce qu'elle clignote? Pas encore, donc elle mourra pas avant 15 h. Donc quand? Vous avez fait quoi de votre fille, du coup? Elle est où? Elle fait quoi? On peut pas. Faut attendre que Nuage rentre du taf pour pouvoir appeler le futur. Oh bah elle est toute zébrée elle maintenant. Le futur de Madame Minnie pour qu'elle puisse dégager. Ça va être rapide mais si tout le monde part aujourd'hui, Nathalie et Minnie, on fera emménager Adonis direct. Comme ça, on sera tranquille un petit peu. Tu devais pas relooker Nuage? Si, c'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Et mince, je devais la relooker, je l'ai oublié.
Un jour au moins, ouais, c'est ça. Un accident est si vite arrivé. Oh, les méchants. Qu'est-ce qui se passe? C'est la PS2 Windows 8. Ok. C'est une femme, notre petite Minnie, maintenant. Ah, qu'elle était mignonne, hein, Minnie mignonne. Minnie mignonne. J'ai trop hâte de voir la petite, comment elle va grandir, leur petite fille. Si les yeux marrons sont encore dans ce corps, ou pas. Mais t'es là, toi? Tyrion qui est en train de chasser les mouches, là. Vous le voyez, là. Hein, Titi? Tu chasses? Tu chasses? Il me répond pas. Doudou, il t'a viré de ta place, mon cœur. Et là, il a vu une mouche, donc il est dans tous ses états. Hein, Titi? Ah oui? Il y a des mouches? Il est trop chou. Mais là, c'est sa saison préférée avec toutes les mouches qui arrivent et qui traînent dans la maison. Oh putain, j'ai du mal à remettre ma truc. Oui, c'est bon. Du coup, voilà. Oh punaise! Nouveau badge! 5000! Oh là là! Mais non, elle va pas finir seule, Minnie! Faut juste que Nuage rentre pour pouvoir amener son mec. Parce que, en fait, il n'y a que Minnie qui le connaît. Nuage! Oh là là, je vais y arriver. On l'a rencontré tout à l'heure à la salle de sport. Là, voilà, il est là. Sauf que j'ai peur qu'il se soit reproduit entre-temps, donc. Hey, tu vas travailler dur? Oh, on s'en fout, hein. Non, faites votre life, hein. C'est vrai que c'est en voyant cette tenue-là que je me suis dit, mince, il faut que je relook Nuage, ça m'agace. Bon, bah, c'était sympa d'être venu pour l'anniversaire, ça nous a fait plaisir. Ah bien, à ciao, bonsoir. Oh, mais t'es chiante, la Nuage. Oh, par contre, elle a la promotion. 14h. Moi, bon, j'attends que Nuage, hein, vous avez remarqué. Alors, tu vas discuter avec les collègues. Tant qu'elle a la promotion, tout va bien. Elle rentre à 17h. Ouais, les autres, elles font leur live, je m'en fous. Je suis une biatch. Bah, c'est bon, tu viens d'être à la maison, Perle. Qu'est-ce que tu lui envoies un message? Vous imaginez, vous invitez quelqu'un pour l'anniversaire. C'est qu'en repartant qui dit, ah, au fait, bon anniversaire! Beau mairie. Il ressemble grave à Rainer en plus, c'est pour ça qu'il. Quand les chachattes font ce cri. Vous l'avez entendu? Il est plus. Ah si, allez, il est là. Tyrion! Tyrion! Cette bouille qu'il a. Je crois qu'il y a Dex qui a fait un par contre. Attends, il a mangé il y a pas longtemps. Non, il est parti direction la litière. Allez, dans 1 heure, elle a sa promotion. Niveau 3-3-3. Mascotte de l'équipe. Oh, ça va être immonde. C'est-à-dire qu'elle aura le machin lama sur la tronche, là. Ça va pas être bien. Nuage a été promu mascotte de l'équipe et gagnera désormais 9 simflouz de plus par heure, soit 28 simflouz de l'heure au total. Elle a également reçu le bonus 132 simflouz et de nouveaux vêtements. Super. On est ravis de le savoir, elle a besoin très très fort de se divertir. C'est dommage, Adonis n'est pas encore pubère. Tu vas l'inviter lui. Et puis, tac tac tac, tu vas aller jouer Frénésie des fêtes. Oh, ils sont en train de jouer au foot les deux là, au ballon. Bon, Tyrion, t'arrêtes de faire le con, il va sauter sur Dex, je le sais. Ça va se tataner. Et ben voilà. Voilà. Sauf qu'ils sont allés trop vite, j'ai pas le temps de. Ses bras. Comment ça, ses bras? Ils sont musclés, hein. On n'y peut rien, elle est bien foutue, elle est bien foutue, cette fille. Ah bah tiens, et puis elle pète, tiens, c'est rien que pour toi, ça. Ça va, mon cœur. Par contre, quoi?
Grave au nuage. Bon, il arrive, Jean-Claude, là? Ah si, il est là. J'avais pas vu. Dis donc, il est à la mode des années 70 ou... Tiens, regarde. Présentation amusante, va le faire rire. Je suis sûre qu'il est de nouveau vieux. Oh putain, il a déjà un gosse! Tant pis. J'ai pas vu. Il est célibataire. Conjoint aucun. Bah écoute, c'est la merde, hein. C'est comme ça, hein. Ça se reproduit vite. Hein. L'MC Command Center, il marche bien. Hein. Comment s'est passée la journée? S'enthousiasmer à propos des chats. Faire connaissance. Complimenter la tenue des années 70. Illuminer la journée. Se plaindre des jeunes du quartier, parce que bon, elle est pas du tout jeune, hein. Ça se voit, c'est une vieille mamie. Complimenter l'apparence. Coquine! Ah là là. Donc elle a pas besoin de s'entraîner, elle est fatiguée, elle a remonté son divertissement. Bah écoute, t'iras chanter sous la douche. Là, voilà. T'iras chanter un peu. Rock, nuit après nuit. Chanter jazz au shaker, pas la petite cuillère. Il est Woman Chica! Zikaflou! Zikaflou! Complimenté. Ah! Il est réceptif, l'animal! Discuter les valeurs de propriété. Complimenté. Il faut que ça monte là. Il faut que tu fasses connaissance avec lui, là. Discuter des centres d'intérêt. Voilà, c'est ça. Bon, il a l'air de lui plaire à elle parce qu'il y a chaque fois le complimenter l'apparence qui vient tout de suite. Hein. Vas-y, technique de drague. Ça risque d'être un peu trop rapide, mais bon. Elle sait ce qu'elle veut. S'est dit, wesh, on m'a dit que tu serais mon mec, alors moi j'y vais à fond. Hein. Pardon. Pareil que je suis vulgaire. Tu fais quoi comme boulot, monsieur? Savoir si... Embrasser les mains. Oh! Ouais, j'enchaîne un peu, hein. Écoutez, hein. Écoutez, c'est comme ça, la vie, hein. Comment s'est passée la journée? Il se laisse faire. Il se laisse faire, l'animal! Raconter une histoire délicieuse! Draguer! Alors, je tiens à dire que les autres, j'ai galéré sa mère, hein. Pour les séduire, hein. Le vol de le flou! Je crois qu'il avait juste des envies avant de venir. Il s'est dit, attendez, je vais dans une maison, il n'y a que des nanas. Moi, je suis ready, hein. Moi, j'y vais, hein, direct, hein, attendez. Pas déconner, quoi. Il n'y a que des meufs, je suis un mec. Forcément, si elle m'invite, c'est pour... hein. Et voilà, ça m'a tout annulé. Super! C'est vrai que j'adore ça. Merci les Sims. Casse les couilles. Ce jeu. Casse les bonbons. Vas-y, discute. Parce que là, on n'est pas très avancé au niveau amical. Voilà, il a vu ta mère et a dit, ah ouais, d'accord, c'est ça qu'elle va ressembler plus tard. Donc du coup, ça l'a refroidi. Ben voilà, ça te va plus. Oh là là, mais qu'est-ce qui... Alors dehors, ça passe. Dedans, ça pas pu. Hein. Voilà, c'est vrai. Marie, ce que je lis. Oh, je suis choquée. Oh punaise, j'avais pas vu Prune. Ah, oh, bravo Prune. J'ai vu que tu disais que c'était ton meilleur ami. Je sais pourquoi elle dit ça, elle. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'en fait, je me suis dit, le seul moyen qu'elle dit ça, c'est parce qu'elle a acheté le mot.
Bah, tu parles lui, bon sang! C'est pas possible! Bah, mais toi, t'as pas du tout fait. Oh, d'accord. Tout va bien. Parce que mon signe et l'autre, c'est à moitié. Le main, donc forcément. Oh! Non, elle est pas à moitié! C'est pas. Sa mère, c'est pas Macy, hein. Demandez un massage suédois. Vas-y, viens me toucher la peau. Voir que ma peau est douce. Oh, demandez à rejoindre le foyer. Oui, il va te masser les miches, ça va vous rapprocher. Et du coup, ça m'a enlevé tout le reste! J'adore ce jeu. Alors, on va aller voir notre héritière quand même. Un quart. Ce qu'elle lui ressemble trop, je suis perturbationnée. Moi, non, pas tant que ça quand même, si. On dirait Sébastien Follin. Oh alors, oh, oh, c'est méchant. Sais pas si vous entendez bien. Je vais vous mettre plus de son. Ah, vous l'entendez bien là. Vous entendez très très bien même, je dirais. Salut Servule, comment tu vas? Alors, faut que Prune en discute, hein, toutes les deux. Je sais même plus comment ça s'écrit. Faut que je remonte dans le chat. Ah, merci! Ouais, non, mais je sais jamais où il est, le Y, en fait. Alors. J'ai la vidéo construction de dimanche qui est disponible. Ah, bah, elle a une belle voix, mais elle est au niveau 5 maintenant. C'est normal? Niveau 5, vaut mieux, hein, avoir une belle voix, parce que. Bon, il s'en va. Bon, on remet ça demain. Hein. Ah, Adonis est là? Adonis est là! Ouais, il va venir tout le temps, lui, maintenant. Hein. Adi, le vapi! Tu vas complimenter sa tenue, tu vas pisser, manger, te doucher. Bon, la vieille, elle est dans un état, maintenant, elle, je m'en fous. Hein. Clignote pas encore. Et hey, salut, futur mari. Faire des grimaces. Salut, futur mari. Oh, oh, ça se fait des bises. Avec le fameux mot. Eh, le fameux mot, c'est ça. Construite dimanche. Ok. Ah, je note. Je sais pas comment je vais le caser, mais. Ce sera un nouveau truc, hein, la construction de dimanche. C'est. Pardon. Je crois que j'étais en table, mais pas du tout. J'espère que ça va vous plaire, c'est un peu spécial. C'est quel type de constru. Ah bah, justement, vous allez voir. Ah, c'est bien, mais. Ah oui, Decades. Oh, non, non, mais Emma. Emma, je pense pas qu'elle soit au niveau encore. Je me souviens pas. Cerebixu. Êtes-vous un triton? J'espère pas. Vas-y, apprends-lui la responsabilité, c'est horrible. C'est là que tu te vois qu'il y a une différence d'âge. C'est un peu glauque. Complimenté. Illuminé. Sois responsable, mon petit, ça m'évitera de devoir faire les tâches à chaque fois qu'on te fera bosser. Bon, il est romantique et soigné. Maître nageur.
Maître nageur sur un je sais plus. Ils ont un aspirateur. J'ai juste le socle parce qu'on l'a version cadeau à Noël, un truc comme ça. Mais j'ai pas le truc. De toute façon, il paraît que ça marche pas. C'est pas très utile au final. Donc, je l'ai posé là quand j'ai fait la. Regarde, regarde, la cuisine, elle ressemble à rien avec la table de massage au milieu. C'est tellement pas logique. Vraiment que j'essaye la cuisine de la refaire parce que c'est pas possible. Elle est moins crade quand même, même si Nuage elle a le trait crasseuse, elle reste quand même moins cradin que Perle qui pétait tout le temps quoi. Après t'iras te coucher hein, cocotte. Il est minuit et demi, oh là là, elle sait plus tenir debout. C'est quoi ces Sims là qui savent pas tenir debout? Regardez-moi ses beaux yeux. Ah, je mise tout sur ses yeux hein. Je vous jure hein, si aucun des gosses qu'on fera... Il a les yeux du père, il va crever dans d'atroces souffrances. Hein. Ah, je préfère vous le dire tout de suite, hein, que personne soit étonné. Hein. Je parle à mon moment, j'ai pas entendu la réponse. Tu vas les faire déménager. Alors, je vais pas les faire déménager, je pense, parce que dans la génération prune, il va falloir déménager 3 fois. Donc, je me dis, on va pas brûler les cartes d'un endroit pour l'instant, pour après, on le fera plus tard en fait. Parce que pour la génération prune, s'il faut partir 3 fois, bah, il faut que je dise, bon ben bah, voilà, là on est à Windenburg, on a fait Strangerville, on a fait Saint-Michuno, on a fait déjà 3 trucs. Je me dis que bah, pour la prune, on pourra faire 3 autres mondes. Il est chou le futur. Mais oui, il est beau. Tu vas faire une salle de sport plus grande. Pourquoi pas. D'ailleurs, ça me fait penser... Ah non, c'est pas ça que je veux faire. C'était ça. Dans la... Ah, ça me les a validés. Repousser les minutes pendant 1 heure en étant énergisée. Très bien, mademoiselle. Enfin, mademoiselle, l'aspiration. Qu'est-ce qu'elle fait, la vieille? Elle est où? Mais arrête! Oh, elle est chiante. Tu veux pas parler à ton mari qui est mort? Tiens. Contempler. Regarde, tu l'as connu, il était comme ça. Il allait faire partie de la société secrète, en plus. Ça te fait de l'effet ou pas de voir ton mari? Quand il était jeune et beau? Ouais, pis c'est. Ouais. Bon, ça lui fait rien du tout, c'est dit juste décorer avec finesse, quoi. Ils savent pas qu'il y a des. Voilà, ils savent pas. C'est dommage, ça. Il devrait y avoir un truc qui disait ah là là, le bon vieux temps, ou un machin comme ça, quoi. Comme s'il regardait vraiment une photo en disant ah oui, oui, je me souviens, je me souviens. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle, là, la vioque, là? Oh. Bah, je sais pas, moi, à 5h du matin, tu sais, y a personne qui est levé, hein, si t'appelles. Je sais ce que tu vas faire. Tu vas discuter en ligne avec... Eh ben voilà, avec Perle. Tu vas discuter avec Perle sur MSN. Allez. Ouais, MSN. Voilà, ça remonte, ça est contente. Oh, ma fille! Oh, elle m'a envoyé les photos de sa fille, de ma petite fille, cul nu. Focus nuage, quand même, c'est un peu elle qui nous intéresse. Trois fois, c'est beaucoup. Elle peut manger des haricots saucisses. Oui, aussi. Fogotonolo, la ville est si charmante, je suis sûre qu'elle s'y plaira. Ah bah, pourquoi pas. Après, ce sera pas pour Nuage, hein, ce sera pour après. Déménagement sous la nuit. Oh, peut-être, on verra. Ce sera vous qui... Vous choisirez au moment venu, on fera ça. Et MSN est sorti en 95. Ah oui, quand même. J'ai déjà un pied dans la cave, je suis vexée. Pourquoi? J'ai pas compris. Dans la cave, la vieille. Ah, la vieille, dans la cave. Bah, y a pas de cave. Faudra en créer une, hein. Dans la cheminée, on va la foutre dans la cheminée. Tu peux pas brûler dans la cheminée flambée de l'argent. T'as payé les factures, en fait? Oui, je crois hein, que tu l'avais fait. Ouais, nickel. Bon. Bon, pendant que Nuage, elle dort, elle ira au taf, on engrossera la mini, là. Voilà, comme ça, ce sera fait. Puis Nuage, elle se sentira seule, elle fera emménager son copain Adonis. Hein. Bon, ce sera encore un enfant, mais... Pédopire sur les bords, tu vois. Je la trouve très peu lumineuse comme Ville Forgotten. Je n'y vois pas bien parce que mon écran est trop sombre sur du... Ah, c'est vrai que j'ai jamais joué, moi, dedans, je crois. Je m'y suis déjà rendue avec des Sims, mais
Je me souviens pas avoir joué avec une maison dans Forgotten Hollow. Non mais Quentin, il est juste passionné d'informatique aussi, donc je pense que c'est pour ça qu'il connaît. Si on déménage quand ils sont enfants, ça compte ou pas? J'en sais rien, je pense que... Non, c'est comme ces générations prunes, c'est une fois qu'on a l'héritier qui est décidé, en fait, je crois. Mais on fera ça, de toute façon, au pire, on fera une semaine dans une ville, une semaine dans une autre semaine dans la dernière, et puis on restera là, quoi. Un truc comme ça. Et c'est vous qui choisirez, je pense. Il fait nuit. Comment ils vont les minous? Oh bah Dex, il est sur son gratte-gratte. Bon, vous vous décidez là? Nuage, c'est quand tu veux pour te lever. T'es bien, t'es en... Oh. Massage relaxant. Le massage qui fait devenir guimauve. Oh, il a des doigts de fée, ce jeune homme. Vas-y, tu vas l'inviter. Il est 8h, ça va, il va venir. Tu vas te prendre une douche en buée. Et te refaire une beauté. Il est là, regardez. Toujours avec son style années 70. Bon, bah, il est rentré. Genre, non, mais moi, j'attends pas devant la porte, wesh. Parlez du temps ensoleillé. Ah, c'est le jour de loterie! J'ai même pas vu! On va acheter un ticket, hein. Un ticket TOS, hein. Comment s'est passée la journée? Il est 8h du matin, mais comment ça se passe la journée? Cocotte, tu vas te lever? Tu vas devoir aller bosser? Tu vas au pipi? Ouais, motive, hein. Motive, motive. Et tu vas chanter sous la douche. Bon, d'accord, tu vas chanter sous cette douche. Alors? Boule? Non, alors, la vioc, tu t'es. Tu arrêtes de parler, tu vas gâcher le truc à ta fille, là. La vioc. Je suis tellement méchante quand ils sont vieux. Mais j'avoue, ils servent plus à grand chose. Oh, ma fille parle avec un garçon. Oh, regardez-moi cette tête. Oh mon dieu. Ah! Ouais, tu l'ouvrais aussi grande quand Pulco était là. Va manger, laisse-nous tranquille. Le pire, c'est que je suis vraiment encore plus horrible quand c'est pas. En fait, quand c'est mes Sims héritiers. Bah, j'ai plus de considération alors que si c'est juste un random. La moitié qui voilà, la poule pondeuse, hein, parce que j'ai eu des poules pondeuses. J'ai moins de respect. Voilà. Il est joueur. Est-ce qu'il aimerait bien jouer dans le lit? Muchi Pichi? Moi, je connais le Machu Picchu. C'est pas la même chose. Coucou, Pipu, comment tu vas? J'avais confondu. C'est de l'humour, c'est un peu HS ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Génération Prune, il ravive à Bridenton Bay. Ah ouais, tu penses? Alors, salut à Drew, j'ai toutes les extensions des Sims. Absolument tout, tout, tout. Ah, tu vas me dire qu'elle taffe pas. Ah non, elle commence à midi! Et moi, je l'ai pressée. Comme un citron. Oh, citron, Pulco. Oh, citronnelle. Ma petite citronnelle. Ouais, non, mais vas-y, va te servir dans le frigo, mec. Appelle-le. S'il a faim, hein, il va bouffer de la moule. Oh là là, cet humour gras. Pour la vidéo sur les chevaux, c'est trop bien. Ouais, elle est un peu chelou, parce que bah, c'est mal... En fait, vraiment, ce qui est dommage, c'est que c'est très saccadé, en fait. Mais j'avoue, pour les photos et tout, ça peut le faire vachement là, avec les chevaux. Vous l'aviez vu dans le Notoberry. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, bon, allez, il faut quand même que je la fasse, la vidéo, parce que je fasse le test. Sinon, c'est pas drôle. Et moi, le pack tricot, ça leur fera de l'occupation. Mais tellement, Elisa! J'ai hâte. J'ai hâte, hâte, hâte. Draguer. Vas-y, drague-le, drague-le. Allez! Il faut te reproduire, là, Mini. Il faut te faire des pucelets, là.
Il a de l'expérience, il a déjà un gosse. Il saura où aller. C'est horrible. Alors Pearl, c'est sa sœur. Hein. Il vient de dire Pearl, mais sa Pearl, c'est Mini, elle, c'est pas Pearl. Tu vis avec Pearl, on le sait, mais c'est quand même pas ta meuf. D'ailleurs, pour le pack où on a voté, on sait, on est... ben, il faudra encore voter pour le nom et après le logo. Donc, on sait pas encore maintenant, je ne sais pas. On saura bien assez tôt, je pense. Attendez, on va se mettre sur le regard attendri de leur papa, enfin du papa de nuage. Attendez, parce que vous n'allez pas me voir avec ma tête, vous voyez rien, parce que j'ai une grosse tête, moi. Hein. C'est ça, hein. J'ai eu 1000 abonnés, j'ai la grosse tête. Hein. Oui! Et la vieille qui vient. Hein, vous voulez rouler des patins? Je peux regarder? C'est pas possible. Elle est encore choquée. I'm shocked! Oh mince, j'ai plus de tête. I'm shocked! Ma fille! Ma petite dernière va se faire des puces LED! Ouais. Oh t'inquiète. Oh! Crac crac dans le placard! Allez! Ça part. Ça part, ça part dans le placard. Regarde ça. Tu crois qu'il va dire non? Eh non! Eh ben non! Allez, reste pas coincé dans la table basse. Vas-y. Va découvrir de quoi il retourne. Oh, voilà, voilà, voilà. Allez, Mini! Moi, tu vas taffer, toi? Y'a que maintenant que j'y pense. Mais oui, elle y va. Oh, quelle horreur! Oh, quelle horreur! Je vais discuter avec les collègues. Oh, bah écoute, oui, hein, mamie et maman, elle va être contente de parler à sa fille. Alors, ouais, il tire son coup et il s'en va. Bah non. Chez nous, ça se passe pas comme ça, hein, monsieur. La vache, ça y va, hein. Ah, il l'avait dur, hein. Laisse tomber, hein. Voilà, voilà, voilà. Baiser passionnette. Bah voyons, des ragots sur nuage. Saleté de perles, va. Petite amie. Allez. Ouais, dans le lit des parents. Aucun respect. Ah, oh, on est super, des petits amis. Allez. Remettez ça. Ouh, belle bête, hein, quand même. Dis donc. Encore, ça dépend des fans, la finale. Mais non, pas autant. Bah, c'est quoi cette façon de dire, là, autant de temps pour ça? Bah, moi, je suis pas développeuse de jeux, tu vois. Je sais pas quel boulot ça fait, hein. Et puis, à mon avis, aussi, il y a les développeurs qui développent certaines choses selon des directives. Mais après, il va y avoir 15 000 réunions qui disent, bah, finalement, ce que t'as fait là, bah, en fait, on va changer ça, ça, ça. Donc, le mec, il retourne au développement pour changer ça, ça, ça. Après, il y a les tests et machin. Bah, j'imagine, tu vois. C'est pas juste parce que c'est un truc dessiné en un truc que ça va faire en 3 semaines, c'est fait. Hein. Je ne pense pas. Après, comme je vous ai dit, je ne suis pas développeur. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Allez! Punaise, il n'y a que Nuage qui aura pas fait un gosse tout de suite. Hein. Elle est prude, hein, notre petite Nuage, quand même. Hein. Ça va pas tarder. Je pense que pour la semaine pro, on va la foutre en cloque. Parce que la maison sera trop vide. Donc au bout d'un moment, il faudra qu'on la remplisse. Parce que Mini va partir. Oh, elle est pas en cloque. Oh, Meriadoc, il tire à blanc. Voilà. T'as cru quoi? Rainer fait de beaux enfants. Bah écoute, là, et lui, il est stérile hein, pour l'instant. Alors, demande d'avis. Nuage doit donner une évaluation sévère à un collègue. Comment doit-elle annoncer? Alors, je vous demande pas parce que de toute façon, je clique toujours sur ajouter des compliments parce que c'est primordial dans un travail. Je peux vous le dire. Si vous recevez que des points négatifs, bah, vous avez plus envie de bosser.
Elle va manger et après elle va le rappeler. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux qu'elle parte avec le bide occupé. Ça, ils nous prennent pour des pigeons, surtout avec mon premier animal de compagnie, entre autres. Mais ils ont fait beaucoup de choses bien aussi. Ah oui, bah bien sûr, heureusement. Non, mais après, tu vois, je me dis que ça doit forcément... Pas forcément, j'en sais rien, je suis pas développeur, mais... Travaillant moi-même dans le textile avec déjà toute une collection pour des saisons, c'est déjà bourré. Bah, moi, non, parce que j'avais pas un travail qui demandait des réunions. Mais mes chefs, elles étaient tout le temps en réunion parce que, ben, voilà, t'as la première réunion, alors on a vu ça comme modèle, il y a toute une panoplie, t'as, je sais pas, on va avoir 100 à 150 trucs à présenter, qu'au final, il y en a que 50 qui vont être pris et qui vont être modifiés tout le temps, plusieurs fois. Donc, en fait, je me dis que. Il y a de grandes chances que ce soit à peu près la même chose quand tu développes un jeu avec un add-on et tout ça et tout le tralala quoi. Et hop, bébé dans la douche. Ah bah elle a pas fini de bouffer, je croyais qu'elle avait fini moi. Je croyais qu'elle avait fini de manger. Bon, je sais pas. Bah la vieille elle apprend la programmation, voilà, elle nous a écouté, elle a dit attention, moi j'apprends la programmation. Tu crèves quand? Ah bah ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Et nuage, nuage, comment vas-tu, ma petite nuage? Tu vas discuter avec tes collègues, voilà. Faut que ça monte. Faut que ça monte, ça monte, ça monte. C'est vrai qu'un créateur de CC, il est seul à bosser, c'est plus simple et facile. Oui, voilà. Et quand t'es tout seul, t'as pas de directive. Là, il faut se dire aussi que ben dans les Sims, c'est des équipes et il y a toujours ben, les patrons qui vont décider. Donc qu'on soit pas content d'une chose, c'est normal. Enfin, et c'est quelque chose que je comprends. Moi-même, je me plains de certaines choses du jeu qui ne me plaisent pas. Mais qu'en même temps, c'est ceux du dessus à EA ou à Maxi, j'en sais rien, qui ont des directives et qui disent bah nous, on veut pas que vous fassiez comme ça. Nous, on veut comme ça. On veut que bah y ait pas trop de gameplay. On veut que ce soit beau, mais qu'au niveau gameplay, c'est pas grave. On passe de côté. C'est eux qui décident, c'est pas les développeurs. Les développeurs, les développeurs. Je parle de ceux qui vont coder le bazar et tout. Eux, ils ont des patrons, ils ont des chefs, et ben ils doivent respecter ça, quoi. Comme je dis, j'ai pas de. Je suis pas une professionnelle là-dedans. Mais moi, même en tant que mon boulot, je pouvais pas faire ce que je voulais au niveau des mesures, des découpes et tout. Je devais écouter ce que ma chef disait, qui écoutait ce que la chef disait. Donc. Tu peux pas faire ce que t'as envie, t'as des trucs, voilà, c'est des directives quoi. Il y a déjà un gosse, il peut pas être stérile. Ouais, bah écoute, on verra, hein. On va tester. Hein. Est-ce que vous voulez que Mini ait une petite, comment ça s'appelle, une carrière? Et quelle carrière? Oh, si Anana, j'ai ton nom de famille et tout. Tu m'as fait des dons. J'ai tout ton nom. J'ai tout, carrément toute ton identité. C'est bizarre, toi. C'est travail, quand même. Bon, allez, tu vas aller voir ça tout de suite. Oui! Allez! Cette fois-ci, ça a bien pris. Voilà. Tu vas l'annoncer à ta mère. Voilà, comme ça c'est fait. Je suis désolée, hein, Meriadoc, hein, mais... Tu vas encore te taper un gamin. Ah, la mère arrive. Oui, bah, c'est vrai que la réunion de famille sera dans la salle de bain, c'est très logique. Anubu! Oh, je vais être mamie! Oh, mais je vais crever avant! C'est trop horrible. Oh merde, oui! Bah si, demander en mariage, oui, c'est si, comme ça. Je suis sûre qu'il y... Logiquement, il ira pas tout de suite voir ailleurs. Après, je sais pas avec qui il a fricoté. Influenceuse de style? Artiste? Influenceuse de style aussi? Allez! C'est un oui! Magnifique. Ouais, voilà. Ils sont fiancés.
Oh là là, ça a été rapide, hein, mon gars. Tu t'es fait embrocher, là? Attendez. Ici, ils ont flirté un peu la veille. Ils sont déjà... Il va être papa et il est fiancé le lendemain. T'imagines, le gars, il a rien compris au film. Voilà, tout va bien. Voilà. Ben, Minnie, elle va s'en aller. Ah oui, donc influenceuse de style. Je vais lui faire avoir sa carrière et puis elle partira. Elle a l'air contente, la grand-mère. C'est une belle chose qui arrive pour nos petites filles. Il n'y a que Nuages qui, elle, bah... Et célibataire à l'heure actuelle et se concentre sur son travail. C'est du rapide. C'est ce qu'elle veut. Mais oui, c'est ça. Salut, Douchka. Alors, influenceuse de style... C'est ici. Oh, c'est mignon. Regardez-moi ce ventre déjà qu'elle a. Oui, ok, pas de soucis. Oh là là, ça... Oh là là, elle est pas l'eau. Elle a déjà la gerbe. Bon, bah, ma petite Mini, tu vas partir. Tu vas partir. On va faire ça tout de suite, gérer les mondes. Sauvegarder, gérer les mondes. On va la faire partir. Et puis, voilà, quoi. Ça va être bien. La maison va être très très vide avec une vieille et Nuages. Non, parce qu'Adonis, il est encore adolescent, Tatou. C'est pour ça. J'ai ton idée. Oh ouais, alors, Siana, tu dis rien, évidemment. Je compte sur toi. Ce serait pas drôle. Ah mince, j'avais... Ah bah si, c'est là. Alors, attendez. Donc ça, c'est le petit bébé de Perlouse. Oui, c'est ça. Clac, clac. Wildenburg, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est le petit bébé, c'est Marina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'es qui, toi, en fait? Ah oui, c'est le frère. Bon, bah, il n'y aura qu'un seul bébé, hein. Mais faudra que je fasse dégager les autres, du coup. Ou que je leur fasse... Non, ah, attendez. On va leur créer un nouveau foyer, hein, comme ça. Créer un nouveau foyer. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais viens! Je sais pas ce que je fais. Non, je recommence, c'est ça. On va y arriver, j'ai pas l'habitude de faire comme ça en général, donc c'est pour ça. Créer un nouveau foyer, clac. Et clac. Je me suis dit, mais elle est où, Nuage? J'ai oublié qu'elle était là. Oui. Oh. À qui sont ses fesses? Eh ben, à notre petite perle, évidemment. Comme ça, ils pourront se reproduire et faire d'autres enfants. C'est un mode qui permet à ma ville d'évoluer. Mariage... Attends. C'est du rapide dans les sens. C'est quoi la MC Command? Ah oui, c'est la MC Command Center. C'est trop bien. Mais Saphir, si tu veux, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui parle un peu... qui explique en fait comment il fonctionne. Ah ben, elle est revenue déjà. Ah oui. Bah non, elle est revenue en avance. Bah non, elle est censée auto-taf. Mais qu'est-ce que c'est? Mais elle est là sans être là. Je comprends pas. Bah, je me retrouve avec la vieille qui va bientôt y passer. Ce cul. Salut Céline, comment tu vas? Ouais, ça, franchement, moi maintenant je pourrais plus l'enlever quoi. Ça, tu vois, enfin, tu sais tout de suite, surtout. Tu vois, moi je le dis lui, tiens, qu'est-ce qu'il a? Il a l'âge, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des gosses, tu vois. Déjà rien que ça, c'est hyper bien. On peut voir aussi si ce que Mini va avoir comme gosse. Mon avis, il n'y en a qu'un seul parce que sinon elle aurait pas pu rentrer dans le foyer. Salut, tu vas te changer tout de suite, Nuage, parce que c'est pas possible. Tenue, changer de tenue. Voilà, je vais te mettre comme ça, c'est très bien. Ouais, l'autre elle est complètement pétée. Elle aura même pas le temps de dire à sa sœur, ah, je suis enceinte, que c'est. Bah, en fait, là c'est trop tard. Ah. Vu qu'elle a, je peux lui parler, mais elle est, voilà. C'est beau, hein, c'est les Sims. Voilà, vieille, elle est... Vas-y, rentre chez toi. Elle est là. Mais qu'est-ce que je fais dehors? Je suis perdue. Ouais, c'était sympa.
Bon bah salut Minnie, hein. À bientôt pour les événements familiaux. Voilà, elle a disparu. C'est comme ça. Oh, la vieille, elle vient déjà lui casser les burnes. Est-ce que Adonis il peut venir? Vas-y. Ça fera un peu de... On s'amusera un peu avec lui. Ouais, il va venir. Qui c'est ça? Qui êtes-vous? Sophie Hayashi. Vous êtes enceinte, madame. Enfant actuel avec Masato Hayashi. Parents coquelicots! Bah merde alors, c'est une cousine! C'est une descendante! Wouah! Bah, c'est l'équivalent de Pulco, quoi, mais. Voilà. Fait partie de la famille en fait, là, elle est en train de dire à Nathalie. Oh, mais c'est vous les Rainbow! Mais je fais partie de votre famille en fait! Ah, tu vois, et sans le MC Command Center, j'aurais pas cru, hein. J'aurais pas dit qu'elle était de ma famille. Et voilà, on le sait, Coquelicot. C'est énorme. Et alors, qu'est-ce qu'elle attend? Un petit garçon. C'est cool! On a retrouvé une partie de la famille! C'est incroyable! Demandez à toucher le bébé. Elle est experte, ouais. Elle a pas un super taf, mais. C'est une cousine qui est d'un certain âge, mais c'est une cousine quand même! Salut Romain, comment tu vas? Oui, Douchka, c'est le challenge Not So Berry que je suis en train de faire. Elle est. Je sais pas, elle parle à qui, mais elle a l'air paumée à mort. Mais quoi? Moi, tu te calmes, wesh! Ouais, vas-y, oh! Vas-y, insulte-la. Sont tes moches. Oh merde, elle meurt de froid. Il est mignon, Adonis, vous avez vu, il a fait. Bon, est-ce que tu peux venir habiter à la maison? Je sens que la maison va être très, 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 très triste sans toi. Enfin, si t'es pas là, enfin, voilà. Est-ce que tu peux venir? Il est adolescent, je suis pas sûre qu'on puisse. Hein. Quand ils sont adolescents, on peut pas. Sinon, c'est un peu pédobia. D'après ce que je comprends. Les Sims, ils veulent pas qu'on fasse emménager les adolescents. Ah, ça a cassé coucougne. Hein. Est-ce que vous êtes plutôt pour que je le fasse emménager via la gestion des foyers? Ou est-ce qu'on attend vraiment qu'il soit jeune adulte? Ou est-ce qu'on le fait vieillir en avance? Live perdu de vue. Comment ça? Command Center, c'est vital, c'est clair. Ouais, ça va, Romain. Fais-le vieillir. Rara-ra-ra-ra-ra-u? Mais qu'est-ce que t'as été foutre dehors, toi? Mais elle est sérieuse, elle s'est battue? Mais qu'est-ce quoi? Mais c'est qui celle-là? Putain, mais la tête! Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que. Non, mais ça va pas bien, Nathalie, hein? C'est sénile, là! C'est. Mais tu manges pas! Enquête sur l'étrange lumière! Mais non! Alors, je peux vous dire que c'est la première fois que j'ai un Sims qui se fait enlever. Sans être dans la carrière scientifique. J'ai toujours eu des enlèvements, mais seulement quand j'étais dans la carrière scientifique. Ça ne s'est jamais produit en dehors. Le jour de la loterie, j'avoue, on va acheter. C'est du n'importe quoi, hein, on est d'accord là. Vieillir en avance. Putain, mais c'est pas possible. Allez, on va faire un gâtal. J'en peux plus.
Déjà, elle se bat et elle se fait enlever par les aliens. Mais c'est n'importe quoi, là. On est parti où, là? C'est quoi, ce jeu? Bon, on pourrait gagner les sous, ce serait cool. Viens, Adonis, on va te faire un petit gâteau d'anniversaire. Tu vas devenir jeune adulte, tu pourras nous culbuter. Oh, Shirley, voyons. J'adore ce jeu. Hé, hey, un petit paix là qui passe comme ça, là, ça fait du bien. Ça va, Titi? Tu fais pas des paix, toi? Mes chats, ils pètent pas. Je sais pas les vôtres, mais les miens, ils pètent pas. J'étais tombée sur une autre vidéo complètement nulle et pas celle de Charlie. Ah ouais, en plus je trouve qu'en ce moment j'ai encore des retours sur cette vidéo, alors que peut-être que le fonctionnement a légèrement changé parce que ben c'était une ancienne version. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour de cette vidéo dans mes commentaires et tout. Ça fait bizarre. Parce qu'elle date de l'année dernière quand même, de juillet de l'année dernière, donc elle est pas récente. Tu dois avoir des contacts qui sont aliens. Peut-être. Allez, mon petit Adonis! Non, non, non! Mais reviens, Jean-Pierre! Vas-y, viens parler du temps ensoleillé. Racontez des blagues sur les professeurs. Lololol, MDR, PTDR. Tu vas, plus de choix. Faire vieillir Sim. Adonis. Bon, alors, il va peut-être avoir un trait de merde hein, en dernier trait. Hein. Et la mamie est enceinte. Oh, belle arve là! Bah, elle va crever surtout, donc normalement, non. Elle est toute sèche hein, à l'intérieur, hein, ça prend plus maintenant. Mais what? Oh, par contre, elle a pas aimé ça! Ah, elle a vieilli! Ça y est! Beau gosse! On va te raconter une histoire délicieuse. Oh mon dieu, on va te parler des rêves. Oh, la curiosité. Oh non, merci Tatou, c'est gentil. Mais non, faites pas ça. Ah non, vous êtes pas cool. Ah non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas ce que vous faites. Oh non, c'est pas sympa. Vas-y, tu vas rejoindre le foyer, mec. Comment ça, une plante vache? Pas de plante vache ici. Hein. Ça suffit, là, vous avez pas commencé à faire n'importe quoi. Déjà, t'as ta mère qui fait n'importe quoi. Ah, oh, puis alors, il y a Quasimodo. Lui s'appelle Quasimodo. Et il fait partie du foyer! Da, 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 da. On va pouvoir le draguer! Alors, 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 alors. Oh oui! C'est gagné, c'est gagné, c'est super! Ouais! Oh ouais! Du coup, ça a un petit peu monté. En même temps, c'est facile quand tu les gères les Sims. C'est facile pour draguer. Quand tu les gères pas, ils sont relous. Ah, il est perfectionniste en plus. Mais c'est très bien ça. Allez, hein, vous êtes des amis, hein, voilà. Enfin, c'est cool. Poser une question risquée. Non mais j'en reviens pas que l'autre elle a. Elle s'est battue et juste après se fait enlever par les aliens. Non, mais n'importe quoi. Alors, on saura bientôt... Ah non, elle a fait une connerie. Oh, t'es chié. Nuage, t'es pas foutu quand même. Allez, tu vas nous... Tu peux pas te rattraper? Une blague perso. Mais non, elle dort sur le canapé. On va faire caca, t'as raison. On va faire caca en étant en colère. J'en peux plus. Ah. Non, non, elle est pas enceinte. Hein. Elle est colère, hein, par contre. Ça, elle est colère. Hein. Technique de drague, vas-y, mais drague-le un peu. Mais si, ça passe, ça passe. Asie, Asie, Asie. Ils sont tous en jôleur là. Prends une pose sexy. Avec ton gros pull. Un gros smile là. Dragué.
I. Yes, I. Pope in a yumb. Attention. Moochie Peachy, Goat, and Fabi Frenoy. C'est un win, c'est un win. Mais qu'est-ce que... Mais va pas dormir, c'est pas ton lit, sa grosse conne. Mais c'est pas possible, elle me tue, moi, cette vieille. Vas-y, on a besoin du lit, hein. T'as mis ta vieille peau dégueulasse dedans, maintenant. Ça y est. On peut profiter du lit. Un petit crac-crac avec Adonis. Est-ce que c'est le plus beau crac-crac? C'est souvent les hommes qui sont... Oui, voilà. Il n'y aura pas, elle n'aura pas. Et puis elle est toute sèche, hein, donc c'est bon, ça passera pas. Faites pas de bêtises, ça me plaît pas ce que vous faites. Bon, allez! On va sûrement s'arrêter sur ce petit crac-crac de nos amours, de nouveaux amoureux. Voilà, voilà. Ça découvre des choses sous la couette. Vous savez bien que j'aime bien finir par les crac-crac en plus, donc. C'est une fin parfaite pour cet épisode. Voilà, Nuage a trouvé l'homme de sa vie. Il est un peu plus jeune qu'elle, mais c'est pas grave. Ça fait quoi? C'est quoi cette petite musique? Avant, ça disait « Elle est enceinte !» Mais maintenant, on savait pas dire ça. Donc, il est tout jeune, hein, il est tout propre. Il est romantique, soigné et perfectionniste. Et il a faim. Et on trouvera un travail pour la semaine prochaine. Et on lancera la génération prune aussi, la semaine prochaine. Alors, couche-toi, mon chéri, s'il te plaît. Sinon, je vais pas pouvoir clôturer l'épisode. Gelezouk, Gelezouk. Voilà, je mets sur pause, j'enregistre très fort, et je vous remercie de m'avoir regardé pour cette rediffusion, j'espère que ça vous aura plu, et la semaine prochaine, on commencera à faire les petits bébés. Donc, soyez au taquet pour proposer des prénoms en rapport avec la couleur prune. Des bisous, à très bientôt, et pour autre chose, pour notre sobérie, tout ça. Allez, ciao.